Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je vous remercie toutes d'avoir participé. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc c'est un âge, hein, 50 ans vraiment, on arrive, c'est un cap un peu particulier. Et puis compte tenu de la situation, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, on ne pourra pas être tous ensemble tel qu'on l'aurait voulu, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On ne fait pas toujours ce que l'on veut, malheureusement. J'ai quand même la chance d'avoir ce soir mes parents, mes beaux-parents, et puis deux de mes neveux, et puis un de mes enfants, puisque mon autre fils est en vacances, et puis les grands-enfants de mon mari sont également en vacances. Et puis il va me manquer, eh bien, ma sister, ma soeur, et mon beau-frère, et puis mon dernier petit-neveu. Mais voilà, je sais qu'ils seront avec nous ce soir, et puis on sera aussi un petit peu en visio. On va pas se plaindre, hein, des gens qui n'ont pas tout ça. En tout cas, moi, j'ai été gâtée, j'ai reçu donc vos courriers. Je sais que tout n'est pas arrivé, donc pour celles dont je n'ai pas reçu les courriers, c'est pas grave. Au contraire, comme ça, la semaine prochaine, j'en aurai encore d'autres. Voilà, ça me fera de toute façon grand plaisir. Ça a été vraiment très gentil à vous voilà, de participer à tout ça. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai tout ça à ouvrir. Je pense que je le ferai en deux temps. Si, eh bien, je me plante dans la vidéo, si je bafouille, si, voilà, tant pis. Parce que comme je vais faire l'ouverture, alors, il y aura un montage parce qu'il y aura plusieurs, je pense, séries, enfin, plusieurs morceaux, pardon, que je vais assembler, puisque là, je vais vraiment ouvrir rapidement avec vous. Je prendrai le temps de vraiment regarder tout ça, voilà, pour apprécier. Et puis, je pense que je vous reprendrai ensuite. Mais en tout cas, là, pour toute la partie ouverture, donc là, on va le faire d'un seul tenant. Donc, si mon téléphone tombe, je suis désolée, hein, vous aurez tout ça en direct, mais c'est pas grave. Donc, on est aujourd'hui le 31 juillet, il doit être 1h moins le quart. Du coup, vous n'aurez peut-être cette vidéo que cet après-midi parce que j'ai encore plein de préparations à faire, enfin plutôt même en fin de soirée. Donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, sachez qu'on est vraiment bien le 31. J'ai vraiment attendu, hein, attendu, attendu de récolter tous mes courriers avant de les ouvrir. Le dernier, donc, qui est là, qui est arrivé donc tout à l'heure par le courrier à midi. Donc voilà, donc je suis très contente, merci. Je commence par vous montrer la carte de mes parents. Voilà, mon papa et ma maman. Donc ça a été évidemment la première carte que j'ai reçue puisque j'habite en face d'eux, donc ils me l'ont donnée ce matin. Et puis la carte de ma sœur aussi qui est arrivée évidemment hier, mais que j'ai ouvert en premier puisque là je pouvais l'ouvrir, j'avais l'autorisation d'ouvrir avant. J'aime trop cette petite voiture avec les petites valises. Et ben voilà, mon téléphone est en train de tomber, le vilain. Alors, attendez, j'essaie de raccrocher tout ça. Voilà, j'espère que ça va tenir. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Donc voilà pour mes premières cartes. J'ai également eu le cadeau de mes garçons. Donc ils m'ont offert un beau micro. Donc normalement, les vidéos que je ferai en voix off, ça devrait être beaucoup mieux parce qu'ils ont trouvé que le vidéo, je le savais, mais bon, je faisais ce que je pouvais. Le son de mes vidéos en montage avec voix off était pourri. Donc du coup, ils m'ont acheté un super micro. Maintenant, j'ai plus qu'à apprendre à m'en servir. Allez, on y va. Donc on commence par la lettre de Myriam, ça a été la première arrivée. Donc on va commencer à l'ouvrir. J'ai perdu. Alors attendez, hop, je fais une petite pause. J'ai récupéré, oups, mon coupe-papier en même temps. Ah oui, je voulais dire aussi à France, j'ai eu des petits soucis avec ma boîte mail. Alors déjà, France, ça a été la deuxième à m'envoyer un courrier pour me, enfin un mail pour me dire qu'elle voulait participer. Donc je lui ai répondu tout de suite, sauf que comme une grosse banane, je n'ai pas validé mon mail, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans les brouillons et je m'en suis pas rendu compte. Donc elle m'a redemandé via un mail, donc mon adresse il y a quelques jours, donc j'ai répondu et je me suis rendu compte 2 jours après que le mail, enfin j'ai eu un mail qui me disait que le mail n'était pas parti, donc j'ai pas compris. En plus elle m'a redemandé, donc je lui ai à nouveau répondu, elle m'a redemandé du coup comment dirais-je, par commentaire, parce que impossible de, elle ne recevait pas mes emails. Donc du coup, ben je suis désolée, je sais qu'elle est à côté puisqu'on s'est eu hier par WhatsApp, elle est à côté, enfin à côté. Elle habite pas très loin de chez moi, elle habite à Rosny-sous-Bois, donc on est peut-être à 40 km. Manque de chance, la lettre n'est pas arrivée ce matin. Mais ça, je le savais parce qu'en plus, la poste est très très lente. Hein, ils l'ont précisé. Enfin, en tout cas, en région parisienne, ils nous ont spécifié que voilà, ce serait un peu plus long. Donc, je suis désolée, France, ta lettre n'est pas arrivée. Et en plus, donc la première fois, c'est de ma faute, évidemment, puisque j'ai laissé ton courrier en brouillon.
Mais par contre, pour les suivantes, eh ben, franchement, promis, c'est vraiment pas de ma faute. Donc, si quelqu'un m'a envoyé un mail auquel je n'ai pas répondu, réinsistez parce que c'est pas que je ne vous ai pas répondu, c'est qu'a priori, il y a des problèmes d'envoi. D'ailleurs, Magali, toi aussi, si tu passes par là, je pense que tu n'as pas dû avoir mon mail d'hier non plus. Voilà, donc cette fois, allez, on y va. Donc, ça, c'est Myriam. Myriam qui habite le 95, donc Ermont, qui est pas très loin donc de chez moi non plus, enfin pas très loin. Vous savez que nous, en temps, en région parisienne, c'est la catastrophe. Oh, waouh! Magnifique. Ouais, c'est très, très, très joli. Avec très joli. Je vais lire rapidement. Promis, hein, merci Myriam. Je relirai ça ensuite. Voilà, je vais juste vous montrer rapidement. Et puis moi, je savourerai. Alors, en plus, la chance, c'est que j'ai aussi de très beaux timbres. Et je les garde, bien sûr, pour mes junk journal. Merci beaucoup, Myriam. Le papier est ravissant. J'adore les fleurs, hein. Merci beaucoup. Ensuite, on a ma petite Sylvie. Ah oui, alors là, Sylvie, faut que je coupe comme ça. Ma petite Sylvie de Bretagne. Alors, ce que j'aime aussi à travers ce courrier que vous m'avez envoyé, eh bien, c'est que je voyage, puisque vous êtes un petit peu de toutes les régions. Et je trouve ça vraiment génial. Donc ça aussi. Alors ma petite Sylvie, oups, j'espère que j'ai pas découpé ton papier. Waouh! Oh, t'as fait du papier avec des fleurs. Ça c'est super, le papier avec les fleurs à la Big Shot. Il y a une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Il est très joli ton papier, en plus sur du cahier. Waouh! Alors, oh c'est imbriqué. Alors attendez, je vous montre. Bah oui, parce que je regarde jalousement et puis je vous montre pas. Alors normalement. Alors, attendez que je fasse pas de boulette. Ça se tourne. Ça... Ah ouais! Alors regardez. En fait, le petit mot est derrière. En fait, c'est comme un puzzle. C'est trop génial. Je connaissais pas du tout. Voilà. Trop cool. Alors, elle m'a mis un petit mot. Merci beaucoup, Sylvie. Ouais, une décennie en plus. Ouais. C'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de profiter de ma journée, c'est promis. En tout cas, mille merci. Je suis contente d'avoir eu cette petite carte de Bretagne. En plus, c'est ravissant. Je connaissais pas du tout ce système et franchement, c'est super. Vous savez qu'au niveau carte, moi, c'est pas trop mon truc. Mais franchement, j'adore. Regardez ça, je trouve que c'est trop génial. Merci Sylvie. Je reviendrai évidemment un petit peu plus tard sur ton envoi. Je continue. Ah oui, alors j'aurais peut-être pu vous laisser quand même les cartes ici. Comme ça, vous pouvez voir en même temps que je déballe. Non, vous pouvez rien voir du tout. Attendez, je vais rebaisser un peu. Voilà, je continue. Alors, j'ouvre dans l'ordre, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Là, c'est Nathalie. Nathalie qui habite Cognac. Merci, ma petite Nat. Ravissante ton enveloppe. En plus, regarde tes timbres. Alors, c'est bizarre parce que j'ai eu deux cartes avec des timbres non validés dessus. Alors, on y va. Je vais essayer de me dépêcher quand même. Waouh! Ah de magnifiques hortensias, j'adore hein, évidemment. Hein. Vous savez, hein, les fleurs, pour moi, c'est ma grande passion. Donc, merci beaucoup, c'est ravissant. Mambéon, t'as dû t'amuser à monter ça. Parce qu'en fait, ce sont, je sais pas si vous le voyez bien, ce sont plein de petites fleurs. Hein. Donc, elle a dû découper et ensuite venir recoller par-dessus. Je me demande si c'est pas. Il y a des dyes Artfeltz hein, qui font ça. Je sais pas si c'est ça que tu as fait, mais en tout cas, c'est ravissant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai bien profité de ma journée. Merci beaucoup. Ah, oh, bah attendez, je vous montre aussi à l'intérieur. La vie est belle. Oui, j'adore. Parce que ça, effectivement, il faut aussi de temps en temps la prendre du bon côté. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, Nathalie de Charentin. Parce que j'ai plusieurs Nathalie, vous le savez. Non, pourquoi je veux la mettre là, moi? Alors, attendez, parce que j'ai plein de fouillis sur mon bureau. Allez, on continue. Donc là, c'est Corinne. Corinne, elle habite Le Meux dans le 60. C'est pareil, c'est pas très loin. Enfin bon, c'est pas tout à côté de chez moi, mais c'est pas très loin non plus. Regardez les magnifiques timbres aussi. Hop. Voilà, je vais essayer de ne rien abîmer. Waouh. Waouh. Regardez ça. Alors, attendez, j'ouvre avant hein, pour. Oh, c'est trop mignon. Puis le petit mot est à part. Alors, je vous montre. Donc, le petit mot, bien évidemment, je vais me le garder pour moi. Et regardez ça. Avec un petit tag ici. C'est ravissant. J'adore le papier. Oh, c'est trop chou. Avec, regardez ça. Le paperclip, c'est une bonne idée. Regardez.
Franchement, c'est super avec une petite enveloppe. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Papier dentelle. Et donc, ton petit mot. Alors, bien sûr, je vais vite sur les mots, mais vous aurez compris. Je vais. Que de la récup. C'est super. J'adore. J'adore. Vraiment. Je trouve que c'est gentil parce que. Vous avez beaucoup d'attention. Enfin, je vois qu'en tout cas, dans toutes les cartes que pour l'instant j'ai ouvertes, voilà, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses là, beaucoup de récupération. Enfin, voilà, vous faites des choses vraiment dans tout ce que j'aime. Et je trouve ça vraiment très, très gentil. Alors, je continue par Cathy. Cathy qui est en Normandie, dans la Manche très exactement. Alors, j'ai déjà une petite amie dans la Manche aussi, qui est Stéphanie. Et je crois qu'elles sont pas très loin l'une de l'autre. D'ailleurs, il faudrait que je regarde sur la carte. Et voilà, donc je suis contente. Vous voyez, j'ai eu la Normandie, j'ai eu la Charente, j'ai eu la région parisienne. Et vous allez voir, j'ai aussi plus loin. J'ai rien oublié, non. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, trop ravissant. Regardez ça, avec plein de petites choses. Plein de petites décos. Oh, les papillons et tout, ça c'est super. Oh, c'est trop choupinou, merci. Je vous les étale hein, rapidement. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai des super rangements pour ranger tout ça. Merci beaucoup. C'est trop gentil. C'est sympa cette petite idée de pochette de coin là. Alors attendez, je remets ça rapidement. Hop. Bon, c'est bien parce que demain, je vais pouvoir me replonger dans tout ça. Waouh, c'est une super enveloppe. Alors attendez. Déjà, regardez comment c'est fait. Ah, oh, waouh. C'est super. En fait, on peut l'ouvrir ici. Ah oui, j'ai déjà vu ça. C'est une enveloppe double. Oh, c'est génial. En plus, le papier est très joli avec des petites marguerites. Alors là, elle m'a mis des petites découpes en cercle. Oh, c'est super cool dans du très joli papier. Et de l'autre côté, alors bien évidemment, regardez, c'est joyeux anniversaire. C'est trop mignon avec les petites enveloppes et tout. Je découvre en même temps que vous, hein. Alors donc là. On a aussi joyeux anniversaire. J'espère que je suis bien en face. C'est vraiment. Oh là là, il y a encore plein de petites choses dedans. Non mais c'est trop. Oh, c'est trop mignon. Oh, super le tag là. Avec les deux ouvertures pour passer un ruban. Ça vous fait une étiquette de ruban. Ça, c'est une très bonne idée. C'est super. Avec des petits tags. Là, on a une jolie pochette. Regardez. Oh, j'ai ça dans mon panier. Sur AliExpress, j'ai un truc comme ça et je ne l'ai jamais validé. À chaque fois, je me dis, oh, faut que je le commande. Mais du coup, il y avait des frais de port et puis ça m'a un peu. Forte teneur en bonheur, super. Regardez ça. C'est vraiment très joli parce que tout le monde passe du temps à faire tout ça. Waouh, très joli ça. C'est toi qui l'as fait le papillon, t'as dû le découper dans. Ou alors tu l'as acheté comme ça, j'en sais rien, mais c'est super. Ça, je veux bien que tu me dises hein, comment tu l'as fait. Alors je vous montre également les petites découpes. Là, on a une série de livres, je sais pas si vous allez voir, qui est embossée. Ça, c'est super. Oh, c'est trop choupinou avec toutes les découpes. Hein, vraiment. Ça, je sais que ça prend du temps, les découpes. Hein, donc, c'est gentil parce que vous êtes toutes très occupées. Je ne sais plus si ça allait là, mais je vais le remettre là. Non, ça n'allait pas là du tout. Et franchement, merci, merci, merci beaucoup. Si, ça devait être là. Non, c'était pas là. Mais par contre, j'en ai encore ici. Regardez ça. Donc, vous avez vu la pochette? Hein, on a trois pochettes. Avec de très grandes découpes. Merci beaucoup. J'ouvrirai ça évidemment. Oups, pardon, j'ai mon mot ici. Ah, waouh! On sent la Normandie, hein? T'as bien raison parce que moi, ça me manque un peu. J'ai pas pu y aller cette année. Je pense que je n'irai pas. Regardez ça. C'est ravissant. Donc, en plus, ça permet de la poser. Je sais pas si vous allez la voir ensuite comme ça. J'aime bien vos cartes parce que moi, ça me donne des idées. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. C'est très très gentil. Oui, ça me sera utile toutes tes découpes. Je te remercie beaucoup parce que tu t'es donné du mal. Merci infiniment. La carte aurait vraiment suffi. Merci beaucoup. En tout cas, ta pochette est ingénieuse. Je trouve ça vraiment génial. C'est vrai que je ne fais pas toujours tout ça, mais vraiment, vous me donnez beaucoup d'idées. Et je t'avoue, Cathy, que je te piquerai peut-être ton idée. Merci beaucoup. J'essaye de pousser un petit peu. Alors, là, eh bien, on arrive à Véronique, si je ne me trompe pas. Alors, attention, c'est Véronique, parce que j'ai deux Véroniques. C'est Véronique de Paris. Voilà, je suis contente d'avoir une petite Parisienne. Parce que moi, je ne suis pas très loin de Paris. Bon, encore une fois, on n'est pas loin en kilomètres, mais on est super loin en temps. Mais c'est pas grave. Hein. Je vais essayer, parce qu'il y a du volume dans son enveloppe. Oula, j'espère. Ah oui, je suis en train de coincer un truc. Non, c'est bon.
Oh, super, il y a plein de petites choses dedans. Oh, c'est un petit book. Oh, c'est trop mignon. Alors, je vais déjà regarder pour Géraldine. Super, merci beaucoup. C'est vraiment trop gentil. Alors, attendez, je vais essayer de pas. Ah, maintenant, ça peut s'ouvrir peut-être comme ça. Oui, avec le washi. J'essaye. Parce que vous me connaissez, je suis un peu brute de fonderie. Donc. Ah, ben, je la prends à l'envers, évidemment. Happy birthday. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Oh, c'est trop sympa. Alors, voici. Et je vais vous montrer, hop, ici, l'intérieur de la carte. Made with love. Et puis, j'ai mon petit mot. Et elle m'a fait un petit mini-album. Oh, c'est trop mignon. Je ne suis pas sûre de pouvoir scraper les 50 prochaines années, mais je te promets, j'essaierai d'en faire au moins encore quelques années. Je lirai bien sûr, je terminerai ton petit mot plus tard. Non, 50 ans, ça me paraît beaucoup. Hein. En plus, si tu veux, à un moment donné, on finit par plus voir clair, tout ça. Donc, je suis pas sûre, hein, franchement, pas sûre d'arriver à 50 ans. Mais en tout cas, tant que je pourrai, j'espère être présente, en tout cas, parmi vous. Et elle m'a fait un trop, trop mignon petit album. Regardez ça. Donc, aimanté. Alors, il est en accordéon, je suppose, oui. Alors, hop, on va faire comme ça. Oh, c'est trop génial. Alors, hop, je vous tourne les pages. Pourquoi je le prends à l'envers, moi? Je suis cucu ou quoi aujourd'hui? Regardez ça. C'est l'émotion, en fait. Je suis complètement bécassine. J'aime bien ce système de. Et en plus, je me demande si à la fin. Alors, attendez, je vais essayer. Si à la fin, on ne peut pas le positionner comme ça. Parce qu'il y a certains trucs qui se positionnent comme ça en étoile. Et on peut le laisser comme ça avec toutes les photos. Comme ça, toutes les photos, vous voyez, sont visibles en même temps. Et je trouve que c'est génial. Merci beaucoup, j'adore les teintes. Promis, je vais y mettre quelques photos. Et je vous montrerai ça quand j'aurai mis mes petites photos à l'intérieur. Merci beaucoup, beaucoup. Alors attendez, que je, hop, je remette dans les bonnes enveloppes. Je te remercie beaucoup, Véronique. Ah oui, maintenant, je ne vais pas vous remettre ça. Je vais essayer de les laisser là. Hop, je pousse un petit peu pour mettre les suivantes. Je continue. Donc là, c'est Martine. Merci Martine. Martine qui fait le challenge avec nous. Le défi en tout cas avec nous. Waouh! 50 ans. Merci beaucoup. Elle est ravissante avec des petites demi-perles, de la dentelle. Ah oui, mais j'adore cette dentelle en plus. Et à l'intérieur, alors je vais vous le montrer de loin parce qu'elle m'a fait un petit mot. Ah ben non, je peux vous le lire. 50 ans, un grand jour, un jour de fête, ça vient de franchir. Oh, tu viens. Ah oui, ben non, mais j'ai pas mes lunettes. Bon, ben non, ben je vous le lirai pas parce que finalement. Mais en tout cas, c'est joliment écrit. Voilà. Donc, j'ai pas mes lunettes. Donc là, c'est un peu petit pour mes petits gnogneux. Je te remercie beaucoup. Hop, donc ça c'est Martine. Ah ben je vous ai pas dit d'où était Martine, pardon. Martine elle est du 62, donc Saint-Engaudel, Saint-Engaudel, je sais pas comment on dit. Donc dans le nord. J'espère que je me trompe pas parce que maintenant avec toutes les nouvelles régions c'est un peu la galère. Ensuite voilà cette petite carte. Alors j'ai été très très contente de la recevoir. Ça c'est Mano, enfin Marie-Noël et elle me vient du Canada et j'adore parce que franchement d'avoir une carte de l'étranger c'est génial. Tu vois c'est ce que je te disais. Regarde, il n'a pas été timbré non, il n'a pas été composté non plus ton timbre. Voilà, donc l'enveloppe est ravissante. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est comme aux États-Unis, ils ont des jolies petites étiquettes. Vous savez, c'est des étiquettes autocollantes avec leurs adresses. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc ça, c'est Mano et elle vient du Canada. Elle vient du Canada, cette lettre. Donc vous voyez, on voyage, hein. Moi, je trouve ça fabuleux. Waouh, oh, merci beaucoup. Elle est ravissante. Donc. Mano, elle fait beaucoup de fonds. Elle m'avait fait des fonds pour le concours de l'année dernière. Elle m'avait fait un ATC, un ATG, pardon, qui était magnifique avec des super fonds. C'est ravissant. Ça, c'est des choses que je ne travaille pas assez. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup, Mano. C'est vraiment très, très gentil. Voilà, ce que j'aime, c'est que vous voyez toutes vos cartes, c'est varié. J'en ai vraiment pour tous les goûts, c'est superbe. Ensuite, eh bien, il y a ma petite Magali. Magali qui n'habite pas très loin, enfin pas très loin, elle habite à 1h30 de chez moi. Elle habite à, dans le 80, c'est quel département? 89. Waouh, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouh là là, il y a plein de choses dedans. Ouh là là, il y a plein de petites choses. Je vais essayer de tout sortir sans rien abîmer. Parce que vous me connaissez.
Waouh. Elle m'a mis des fleurs de son jardin. Waouh. Je savais, elle me l'avait dit. Waouh, c'est magnifique. Regardez ça. Par contre, j'aimerais bien que tu me dises comment tu les as mises. Hein. C'est dans du. C'est du papier parchemin, c'est quoi? J'aimerais bien que tu me dises. On a l'impression que c'est entre deux papiers. Comment on appelle ces papiers? Oh là là, c'est ravissant. Merci beaucoup. Oh là, j'ai plein de. Alors là, je vais les ouvrir évidemment toute seule dans mon coin tranquille parce que là, c'est plein de fleurs séchées qu'elle m'a mis entre des papiers de sopalin. Donc si je ne le fais pas délicatement, voilà. Donc je vous remontrerai, je vous ferai des photos de toute façon, c'est promis. Je vous montrerai tout ça ensuite hein, parce que si j'ouvre tout. Oh, trop mignon, elle m'a mis des graines en plus. Oh, trop chou. De la coquelourde et des graines de la nigelle de Damas. Trop, oh super, oh franchement, donc un courrier très 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 en fleurs, hein, vous avez vu. Alors attendez, moi je voudrais voir la carte, non, je crois que je vais être obligée de l'ouvrir comme ça. Cinquante bougies, quel souffle. je crois que j'en mettrai qu'une, hein, bougie. Waouh, bah dites donc, heureusement que t'as pas d'inspiration, hein. Voilà, parce qu'en fait, Magali me disait qu'elle n'a pas toujours d'inspiration. Bah écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous avez eu toutes beaucoup d'inspiration. Et je pense que Magali, pour le coup, elle en a eu aussi énormément. C'est ravissant. Merci beaucoup. Vraiment, c'est magnifique, magnifique. Ouais, j'espère, tu as raison. C'est vrai que c'est que la page 50. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est. Alors, apparemment, ce serait du serviettage. Alors, attendez, je vais essayer de lire sans mes lunettes. Et des essais style serviettage avec des fleurs séchées pour y faire des cartes d'expression. J'aimerais bien que tu me montres, que tu m'expliques, parce que franchement, c'est ravissant. Et si tu me le permets, eh ben, je montrerai ton idée parce que franchement, je trouve que c'est splendide. Voilà. Et je suis sûre que, dites-moi en commentaire, les filles, si ça vous intéresserait que, eh bien, qu'elle nous montre ça, Magali, parce que franchement, c'est super. Regardez ça. C'est vrai que sur des créations, moi, j'aurais pas pensé à faire ça, mais vraiment, c'est super. Tu vois, franchement, tu me dis que tu n'as pas d'inspiration, mais je crois que tu en as beaucoup. Je vais vous laisser ça aussi en présentation. Et je vais terminer par le colis de Véronique. De mon autre Véronique. Du coup, je suis obligée d'entasser un petit peu. De mon autre Véronique. Alors, Véronique qui est là. Par contre, je vais faire une petite pause, le temps d'ouvrir le colis. Parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vous mets en pause 2 secondes. Alors, me revoilà. Donc, je voulais aussi vous montrer donc, son emballage. Il y a un joli, joli tamponnage ici. Vraiment, il est ravissant. Voilà, donc je vous ai pas dit, mais Véronique, elle est de Limoges, je me trompe pas. Non, c'est ça. Elle est de Limoges. Véronique, franchement, là, bon, t'as fait fort quand même. Hein. C'est waouh. Bon, je vais peut-être faire un tout petit peu de place, sinon je vais pas y arriver. Je vous reprends dans quelques secondes. Alors, je suis désolée, du coup, j'étais obligée de vous empiler là. Mais voilà, c'était juste pour avoir un tout petit peu plus de place, bien évidemment. Waouh! Oh, j'adore les harlequins, ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Par contre, mon tour de taille ne te remercie pas du tout, mais alors pas du tout. Parce que franchement, waouh, super. J'en mangerai un, les filles, à votre santé. Oh, tu m'as mis trop plein, plein de choses. Hein. Regardez, des petites fleurs. Ça tombe bien parce que celles-là, je ne les avais pas trouvées. Des petites fleurs, je pense que vous les connaissez toutes, celles-ci. Et je les avais pas trouvés en rose, les arômes, et ils sont magnifiques. Oh, il y a plein de bonbons partout, mais hey. Alors, mais bon, c'est meilleur que les confettis, hein, t'as raison. Hein. Un très joli assortiment de perles, c'est pareil. Dans ces couleurs-là, j'ai pas brillante comme ça. Ah, par contre, vous devez avoir un super contre-jour, désolé. J'ai des strass aussi. Non, mais tu m'as fait trop, trop de choses. Alors, attendez. Parce que du coup, je ne sais plus comment. Ah oui, alors là, je vais être obligée de mettre un petit papier. Donc, il y a également toujours son très beau tampon. Attendez, je vais prendre celui-là. Hop, voilà, il avait déjà les scotchs. Donc, elle m'a fait une magnifique boîte. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, j'ouvrirai après. Je vais regarder tous les petits sacs. Waouh, les boutons. Très jolis gros boutons.
Pardon, je regarde et je vous montre même pas. La fille très égoïste. Ah bah dans des teintes différentes, merci beaucoup. Surtout que j'ai pas du tout dans ces teintes et j'en ai pas non plus en violet. J'en avais quelques-uns en rose, mais moi j'ai surtout des boutons anciens de mes grand-mères. Là j'ai plein de petites fleurs, plein de petits strass. Oh c'est trop mignon. Je vais vous montrer aussi. J'ai plein de petites choses. Je t'en remercie. En plus ça fait plein de petits sachets. Mais vraiment c'était pas. Oh mais je les ai pas trouvées non plus. Celles-là je les ai pas eues. Merci beaucoup. Les feuillages. Non mais là il fallait pas. C'est beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de trop. Hein. Alors je vais essayer d'ouvrir sans. Parce qu'elle a fait une très belle boîte. Alors attendez, hop. Donc, oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Hop. Waouh. Oh non, je te maudis avec tous les bonbons. Oh non. Oh merci, un magnifique stylo qui va avec ça. Alors attendez, j'enlève tout ça. Que je le regarde quand même. Joyeux anniversaire, mais c'est ravissant. Donc regardez ce très joli stylo qui va avec. Et elle m'a fait un. Oh là là, c'est trop beau. Bon, attendez, hop, je vous montre déjà comme ça. Je l'ouvre en même temps que vous. Avec un beau ruban, je regarde. Donc joyeux anniversaire. Là, il y a le petit mot. Je vais regarder. Et regardez ce qu'elle m'a fait. Waouh! Ah, c'est un petit art journal, c'est trop mignon. Avec des tags, très joli ça. Trop mignon, c'est un peu art journal, un petit peu un glue book, c'est trop sympa. Merci beaucoup pour tout ça, franchement, il y a des très jolies choses. Vous êtes douées les filles, hein. Moi j'avoue que je ne fais pas forcément tout ça. Enfin si, je m'amuse un petit peu, mais l'art journal, je ne m'y suis pas encore mise. Avec un très, très beau paperclip en forme de. D'étoiles de mer. C'est trop sympa. Franchement. Ah, mais c'est toi qui les as fait. T'as dû les faire avec la. Comment ça s'appelle? La. Zut. Que j'ai acheté aussi. Et je m'en sers pas énormément d'ailleurs. Je vais y arriver. Enfin, vous voyez, hein, le wire jig là. Voilà, ça y est. Qu'on avait trouvé chez Action. Et c'est vrai que je l'ai rangé parce qu'il me prenait trop de place sur le bureau et je ne l'ai pas ressorti. C'est très sympa ton artbook. Hein. Franchement. Et voilà. Oh, des petits paperclips ici. Vraiment plein de choses et tout. C'est trop mignon. Je te remercie infiniment. Je regarde ton petit mot. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'est un papier qu'elle a dû faire elle-même, qui est certainement avec des alcools. Avec un petit timbre sur une partition. Alors, attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Regardez. Donc, elle a fait une enveloppe. Avec du papier, des alcools, des tamponnages. Franchement, c'est super. Très bonne idée aussi. Et donc, un super mot. Alors là, il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois rien. Je vois juste que tu m'as mis joyeux anniversaire, plein de bisous. Amitié Véronique, mais pour le reste, ma foi, il faut que je mette mes lunettes. Merci beaucoup Véronique. Je vous remercie toutes infiniment. Donc, je vais évidemment remettre un petit peu d'ordre, prendre le temps de lire vos petits mots parce que ça a été trop rapide. J'ai vraiment pas eu le temps d'en profiter. Donc, je vais prendre le temps de tout regarder, de tout profiter. Et puis, du coup, comme la vidéo est déjà assez longue, je vais peut-être vous mettre celle-ci tout de suite maintenant. Et puis, je vous referai un petit récap. Peut-être demain, comme ça vous fera également une vidéo demain. En tout cas, vraiment, je vous remercie toutes, c'est beaucoup d'émotions. Ça me fait grand plaisir d'avoir pu vous lire. Vous savez que j'avais dit que mettrais vos créations, donc soit je vais les accrocher dans mon atelier et je pense que c'est probablement ce que je vais faire. Soit je ferai un petit album, je ne sais pas encore, mais dans tous les cas, je vous montrerai ce que j'en ai fait. Merci infiniment. Je suis très heureuse de vous avoir eu tout au long de ce mois de juillet dans ma boîte aux lettres et puis d'avoir eu la surprise de découvrir avec vous. Voilà. Mais encore une fois, je vais prendre le temps parce que là, ça fait trop d'un coup. Puis je pense que je vais avoir le temps de prendre les cartes une par une et de bien les apprécier en mangeant des petits arlequins. Merci à vous toutes. Je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!